Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Rétro Jeu. Aujourd'hui une petite vidéo spéciale, je me trouve actuellement à Schiltigheim, je ne sais pas si je le prononce exactement, donc une ville qui est pas loin de Strasbourg, et je vais aller au Pixel Museum, c'est parti. Ça y est, je suis arrivé au Pixel Museum. On va rentrer et je vais peut-être demander l'autorisation de filmer, je ne suis pas certain qu'il est possible. Donc si vous voyez cette vidéo, c'est que c'est possible de filmer. Voici une des premières salles du musée qui contient pas mal de jeux électroniques type Game & Watch. Vous pouvez voir là, Nintendo Pixel Museum 1989 Japon. Nintendo et donc là tous les jeux électroniques. Là on peut retrouver les Tiger. Electronic Tiger, ça c'est vraiment un jeu que j'aimerais bien retrouver, un jeu type comme ça. Je pense qu'il y a un jeu qui s'appelle la guerre des étoiles ou la guerre des astres, j'aimerais bien retrouver celui-ci. Et là on a toute la vitrine Nintendo avec les tabletops, le Snoopy, ici le Donkey Kong Junior, le Game & Watch. Ils sont en excellent état. Le petit Star Trek mini classique. Et ici, on fait un petit tour des Game & Watch. Là, je pense que c'était une version spéciale offerte pour le Club Nintendo. Voilà. Maintenant, le concepteur Gunpei Yokoi avec toute sa biographie, donc ça c'est plutôt pas mal. Et là on a toutes sortes de jeux électroniques, alors je vais essayer de faire sans reflet. Voilà. C'est juste magnifique. Et une petite vitrine avec tous les jeux électroniques de sport. Voilà pour la première salle. Thank you.
Queen n'est plus signifié Altaïr. L'aigle en vol, le fils de personne, le père du peuple, le prince des mers. Est-ce que c'est l'aigle en vol? Moi j'aurais dit ça aussi. Ouais, c'est ça. Alors, maintenant Sonic, on l'a vu ensemble. Hein. Ce n'était pas un hérisson, c'était quel animal? Moi je sais. Papa, c'était quoi avant? Avant? Bah, j'aurais un garçon perdu, j'en sais rien. C'était. Ah non, mince. Attends. Un lapin, c'était un lapin. Oui, et on retrouve aussi donc la microvision que j'ai aussi acquis récemment en vide-grenier. Donc là avec quelques jeux. J'ai ici la Game Pocket Computer, je connais pas du tout. Voilà, qui est le même principe en fait que la microvision, je connaissais vraiment pas. Console portable ou VTech. C'est excellent, je trouve. C'est une mini bande d'arcade. Je ne sais pas en quelle matière c'est fait. J'ai retrouvé pas mal de bandes qui sont connues, comme le Pac-Man. Là, je trouve ça excellent. Si on voit bien le Pac-Man et le flipper Mario, qui doit coûter un bras. Là on a la petite bande d'arcade qui est assez connue, qui contient pas mal de jeux, mais qui contient des jeux pour d'autres petites bandes d'arcade. Ici on a une bande d'arcade Donkey Kong Junior, qui a la particularité d'être comme une table basse. Là, un petit carnival. Et là, un Flight Show. Malheureusement, ils sont éteints.
petite particularité, le Power Glove. Comme 10 systèmes pour apporter Sega aussi avait fait des lunettes 3D avec quelques jeux compatibles. On a la place sur système 2. On va arriver dans... Alors ça, je ne connaissais pas du tout. Shuttle PC Engine. Console qui ressemble à un vaisseau spatial. La PC Engine que j'ai eu quand j'étais petit. Version noire, moi je l'ai eu. Il y a juste en dessous. C'est sur 1989. Là, le CD-ROM. Fighter, une figurine qui est magnifique. La PC Engine GT que j'ai possédé aussi. Tant que je vais changer de part. Thank you.
une vitrine avec des accessoires pareil, plus ou moins connus. Le Airzone Headgear, que je connais pas. Ici le Virtual Boy. C'est pour ça que Nintendo qui avait fait un gros bide avec ça et qui était vraiment le prémisse de la VR qu'on retrouve aujourd'hui. La Saturn, donc là pour sa version japonaise. La Saturn, on connaît chez nous. Une petite vitrine Tomb Raider. Et ici quelques accessoires. Commence à atteindre donc la vitrine PS1. Il y a quelques jeux ici, ils auraient pu mettre des meilleurs jeux franchement. Le Yeti Sport Deluxe, franchement je ne vois pas ce qu'il fait dans cette vitrine. Les petits croisements de trucs. Qui est pas inconnu, sorte de carte mémoire qu'on va accorder à la console, un peu comme la carte mémoire de la Dreamcast, la PS1. Une petite voiture Grand Tourisme, ça c'est rigolo aussi. Là, on a un Nintendo 64. Sa couleur verte translucide qui est juste magnifique. C'est une lettre que je connais pas ici. Est-ce que c'est une lettre, oui. Alors, c'est un peu plus long de la console. Et une vitrine un peu plus long. Est-ce qu'on peut trouver la Game Boy Color Pokémon et le Pokémon Pikachu. Une petite vitrine Mario. On peut retrouver donc la Dreamcast. Donc un petit jeu sur l'histoire, Policeman Rescue. Le petit jet set radio. Ici, ce sont des jeux qui viennent de sortir. Des jeux qui ont été édités sur cette console maintenant. Et ici, voilà, je ne connaissais pas du tout non plus Bravia KDL, qui est une console télé. C'est une console. La PS2. Un petit clin d'œil parc. La PS2 Pink. Ici on a la PSX. Oui, effectivement, la console il était sorti en cette version. Qui est juste magnifique. Fighting Gem, c'est un joystick arcade excellent. Avec des consoles portables qui ont fait un vide, dont notamment la Engage. Je pense à toi, Conferax, une petite vitrine
GameCube. Naomi dans l'arcade qui est juste énorme. Il faut une petite partie après. Et ici on a un flipper Pac-Man qui est en panne, et c'est bien dommage. Donc Hubert, je vais faire une petite partie de Vir Striker. Thank you.
Par la dernière salle du musée qui est consacrée aux ordinateurs. Ici on peut voir quelques petits ordinateurs en démo et là-bas des petits jeux PC Mickey Box. On va aller voir ça tout de suite. Voilà, une belle petite vitrine de Mickey Box